Vous êtes sur RTL. Toilé. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Allez, c'est tous les matins à cette heure-ci avec notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet, 5h42, vous écoutez RTL. Philippe, vous êtes ce matin en direct du New Jersey. Pourquoi New Jersey ? Parce que le président Trump vient de tenir un meeting, alors que son procès, le timing est assez étonnant, continue au Sénat. Oui, ses avocats ont terminé leur plaidoirie quelques heures avant cette réunion publique. On est ici à mi-distance entre New York et Washington. C'est très rare de le voir ici faire campagne dans le New Jersey. C'est plutôt une terre démocrate. Et c'est pour ça que c'était très impressionnant de voir la foule dans cette petite station balnéaire de Whitewood, presque inhabitée hors saison. Je dis foule parce qu'il y a souvent beaucoup de monde dans les meetings de Trump. Mais là, vraiment, des gens ont campé depuis dimanche le froid, dans le vent du bord de mer pour être certain de pouvoir entrer dans cette salle. Alors le président a clamé sur scène qu'il y avait 100 000 personnes qui attendaient. Bon, j'y étais, il n'y avait pas 100 000 personnes, mais 7 000 personnes à l'intérieur, plus des milliers d'autres à l'extérieur qui sont restés regarder dans la nuit, dans le froid, le discours sur le grand écran. C'était déjà une démonstration de force. Et s'il est venu ici, c'est pour remercier le parlementaire du coin, l'élu de cette circonscription au Congrès, qui a été élu comme démocrate il y a un an et demi, et qui a quitté son parti à la fin de 2019, car c'est l'un des deux élus démocrates qui ont voté contre l'impeachment du président à la Chambre. Il vient donc de rejoindre le Parti républicain. Et que disent ces partisans du président que vous avez rencontrés de son procès en destitution ? Ouais, j'ai passé plusieurs heures à parler avec eux et je dois dire que j'ai été surpris parce que ces derniers mois, j'ai plutôt entendu des électeurs de Trump me dire « Oh, cette procédure de destitution, c'est n'importe quoi, c'est une blague, c'est grotesque », ils balayaient tout ça. Et là, maintenant que le procès a commencé depuis plus d'une semaine, ils sont nombreux à m'avoir dit qu'ils le suivent attentivement à la télévision, ils l'enregistrent pour regarder le soir en rentrant du travail et ils m'ont fait part vraiment de leur colère, une colère qui monte chez ces partisans du président. Plusieurs m'ont dit que ce n'est pas seulement le président Trump qui est en procès, ils sentent qu'ils sont eux aussi jugés pour avoir élu ce président. Ils reprochent aux démocrates de vouloir faire annuler leur vote lors de l'élection 2016 et certains m'ont même parlé de coup d'État. Certains m'ont dit que si le président était destitué, il y aurait une guerre civile. Vraiment, c'est l'expression qu'ils utilisaient, guerre civile et qu'ils seraient prêts à prendre les armes. Mais ils savent qu'il n'y a quasiment aucune chance de voir Trump destitué à l'issue du procès. Oui, mais le procès en lui-même les met en colère. Plusieurs d'entre eux m'ont dit que les démocrates ne mènent cette procédure de destitution que pour empêcher la réélection de Donald Trump. Alors, j'ai pas croisé beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'il pourrait être battu en novembre. Et pourtant, comme je vous le disais, on est plutôt ici dans une terre démocrate. Certains d'ailleurs m'ont dit qu'ils étaient heureux de pouvoir mettre fièrement leur casquette rouge de la campagne Trump aujourd'hui dans ce cadre d'un meeting de Trump, sans craindre les regards ou les commentaires de leurs voisins ou de leurs collègues qui ne votent pas pour lui et ils n'osent pas finalement afficher leurs opinions politiques, dire qu'ils soutiennent le président dans cette ère plutôt démocrate. Merci Philippe, vous avez pris le pouls ces dernières heures d'une Amérique plus que jamais divisée en deux. On entendra des supporters de Trump, le président avec vous dans le journal de 6h30 tout à l'heure et puis à 7h on reviendra avec vous sur l'autre actualité qui concerne Donald Trump ces dernières heures, son plan de paix très favorable à Israël pour le Proche-Orient qui provoque d'ores et déjà des regains de tension en Cisjordanie. Merci beaucoup Philippe et à tout à l'heure dans trois quarts d'heure.